Eh bien, salut à tous, je suis Black Kings pour une nouvelle vidéo où je réalise mes render settings. Comment je recorde les render settings sur comment s'appelle Vegas et OBS en même temps. Bon, c'est parti. Déjà, ce que je changerai. Vous allez dans sortie et vous mettez tout pareil que moi. C'est des préférences, ne filmez pas sur votre disque dur principal parce que ça va juste le niquer, surtout si c'est un SSD. Ensuite, là, vous mettez pareil que moi, MP4 et ça. Ensuite, vous allez dans vidéo, vous mettez 720p x 720p. Ici, mettez bien ça, sinon ça ne va pas marcher. Valeur des FPS fractionnés, 360 ou 240, c'est comme vous voulez, enfin ce que votre PC supporte. Ensuite, vous mettez l'espace de couleur 709 et gamme de couleurs complète. Bon, ensuite, on passe au rendu Sony Vegas. Bon, je prends ce petit clip là. Oui. Vous pouvez faire CTRL ça, CTRL SHIFT B. C'est pour ajouter un peu de motion blur. Vous mettez au début de la vidéo. Et ensuite, vous mettez ça. Et vous le mettez à peu près à 35. Voilà. Ou 39, voilà. Ça rajoute juste un peu. Un tout petit peu plus de fluidité. J'essaie de mettre à 35, sinon après c'est trop. Bon, si je réussis pas, c'est pas le top. Ouais, bon, on va laisser à 39. Bon, comme on peut voir, il y a plusieurs appels et tout. Bon, ensuite, au niveau des rendus, je vais vous montrer plusieurs rendus que j'ai. Déjà, mes premiers rendus, c'est mes préférés. Et c'est ceux qui utilisent le plus le PC. Vous prenez Internet 1080p, vous faites personnaliser le modèle, vous montez 60 FPS, élevé. Ça, taille d'image personnalisée, vous allez me dire pourquoi je mets de la 1440p. Au fait, c'est pour avoir un codec sur YouTube qui s'appelle le VP9 qui a le meilleur couleur et tout le reste qui va avec. Vous mettez ça comme ça et vous mettez optimisé. Bon, ça c'est mes renders V1 60 FPS. Voilà, vous mettez tout pareil et c'est bon. Ensuite, je vais vous montrer les renders. Ce que je mets pour comment ça s'appelle? Du 30 FPS, c'est tout pareil, sauf que vous mettez du 30. Bien sûr, si vous avez une courbe de merde, mettez plutôt du 50 à la place de 140 000. Sinon, vous allez prendre juste beaucoup de temps à les uploader. 1440. Voilà. Principal élevé. Et ensuite, je vais monter les renders qui sont les meilleurs pour les PC de merde. 30 FPS. Voilà. Bon, ensuite, pour les PC de merde, vous allez dans Sony. Sony, ça. Vous prenez Internet 1080p. Vous pouvez pas aller à 1440p parce que je sais pas, ça pue la merde. Ensuite, vous mettez tout comme ça. Vous mettez 60 FPS. Vous mettez là le max d'un projet. Vous mettez bien sûr optimisé. Et ça, vous laissez tout comme ça. Ça, c'est les renders. Ils vont beaucoup plus vite que les renders dans ce Tipeee. Ils sont très bien. Je les ai mis dans quelques de mes vidéos avant. Franchement, elles étaient bien. Bon. Voilà, et voilà. Et une dernière chose pour recorder avec OBS, vous faites clic droit, ajouter. Voilà, ajouter une nouvelle scène. Et en gros, dans la scène, vous faites ajouter, capture des jeux, vous sélectionnez jeu unique et vous sélectionnez Minecraft, sinon ça va vous faire des drops de frames et ça va pas être trop joli. Bon, sur ce, les gens, je vous laisse avec la vidéo et n'oubliez pas que je fais un giveaway. Allez regarder en description, c'est un giveaway de ma part, d'une carte de BCZ. Allez vous sub. Bon, sur ce, c'était Black King, laissez un like, dites-moi ce que vous voulez comme prochaine vidéo. Et peace! I am religious, but I still sin for this.